France, 1804. Cela fait 4 ans que le général Bonaparte est revenu précipitamment d'Égypte. 4 ans que le coup d'État du 18 Brumaire 1799 l'a porté au pouvoir en tant que premier consul, à la tête d'un triumvirat qui gouverne la France. Et depuis, les menaces contre sa personne n'ont jamais cessé. Bonaparte craint qu'on le fasse assassiner. D'autant que les deux compères, Talleyrand et Fouché, lui laissent entendre qu'une conspiration royaliste est en train de se mettre en place avec pour chef le duc d'Enghien, qui briguerait le trône de France. Le duc d'Enghien, 32 ans, descendant de 20 rois de France, fils du duc de Bourbon, petit-fils du prince de Condé, de la lignée du grand Condé. Bonaparte prend alors une décision incroyable. Sans état d'âme, dans la nuit du 14 au 15 mars 1804, il n'hésite pas à ordonner à un détachement de dragons et de gendarmes, en fait une véritable petite armée, de violer la frontière entre la France et l'électorat de Bade. Objectif, Ettenheim, une petite ville allemande où le jeune duc d'Enghien se languit depuis plusieurs mois, dans une inaction forcée. Et c'est la surprise totale quand vers 4 heures du matin, il est réveillé par l'assaut des gendarmes français pour être ramené prisonnier de l'autre côté du Rhin à Strasbourg. Pourquoi Bonaparte, premier consul de France, a-t-il donné l'ordre de faire enlever en territoire étranger le duc d'Enghien, descendant des Bourbons? En quoi ce prince du sang fait-il un bouc émissaire idéal? Pourquoi son procès est-il pour Napoléon un acte politique indispensable dans sa marche à l'Empire? C'est tout le mystère et l'enjeu de l'affaire du duc d'Enghien, où se mêlent ambition d'un homme, complot politique, terreur policière et raison d'État. Depuis le coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1799, la France vit sous l'ère du consulat. Le consulat, 3 consuls, mais de fait sous l'autorité d'un seul homme, Bonaparte, qui est devenu premier consul à vie en 1802. Pour les Français, c'était une bonne chose, parce que le directoire s'arrêtait, le directoire, ça avait été une période absolument épouvantable. Et pour la plupart des Français, et même des Français émigrés, c'était un espoir. Enfin, la France cessait d'être un État voyou. Donc on allait avoir un homme qui allait établir la paix en Europe, rétablir une légitimité. Une légitimité, celle de Bonaparte, qui avec le traité d'Amiens en 1802, réussit l'exploit de faire la paix avec toute l'Europe et surtout l'Angleterre, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Et sur le plan intérieur, la situation s'apaise avec le Concordat qui réconcilie la France et le Vatican et la possibilité pour les émigrés, s'ils font allégeance au consulat, de pouvoir rentrer en France grâce à une amnistie. D'autant que l'économie repart et devient même florissante. Enfin, de grandes choses se passent ici en France, grâce à Bonaparte. Mais évidemment, cette France de la réussite déplaît aux Anglais, qui y voient un danger pour leurs intérêts, qui craignent une tendance hégémonique de Bonaparte sur le continent. Et donc, afin d'affaiblir la France et d'empêcher son épanouissement, le gouvernement britannique, lâchement, essaie de fomenter insurrection et guerre civile en soutenant à Londres les Bourbons dans leur désir de vengeance et de remonter sur leur trône.